What's up, c'est Farfadet, en direct studio La Voix Rouge sur disquetuc.com. Yeah. Des hommes qui finissent dans les livres d'histoire. J'entends des farfs, t'es pas dans le coup. J'ai déchiré, toi tu te rendras pas au bout. J'ai dit j'irai, j'ai tellement aimé le risque. Je l'ai désiré, et bien avant qu'ils disent que le vice soit télévisé. J'ai foutu le feu dans toutes les villes que j'ai visitées. On me dit c'est mérité, mais je joue pas les célébrités. J'ai écouté les miens pour les fois qu'ils m'ont critiqué. Mais en bout de ligne, je suis seul pour aller au... Ton album, ce que moi je ressens, en fond, t'as écrit ça un peu dans une peine d'amour ou après une relation, hein? Right? Non, pour vrai, ça peut paraître de ça, mais c'est juste vraiment, c'est des chansons qui ont été faites... Tu sais, l'album, je l'ai travaillé pendant longtemps. Check quoi de bon, c'est une chanson que le clip en ce moment, même qu'on se parle, il est sorti la semaine dernière, mais sans vouloir, c'est comme briser la magie, j'ai écrit cette chanson-là en 2008. Avant Un Autre Monde, avant tout ce qu'on a sorti, puis je la gardais pour mon album à moi. Finalement, on la gardait pour Jungle Music, on a dit non, ça fit pas, je l'ai gardé pour mon album. Donc c'est une chanson qui parle un peu de ça. Puis ensuite de ça, l'autre track, Le Meilleur des Deux Mondes, c'est un track que j'ai écrit, là, c'est comme il y a 2-3 ans. Fait que c'est comme non, je suis pas sorti d'une peine d'amour, là. T'as beaucoup de... T'as du scratch, tes beats c'est vraiment à l'ancienne, la façon de rapper est à l'ancienne. Pendant que on dirait que le game s'en va dans le pew-pew un peu partout, qu'est-ce qui te fait rester vraiment ce style vraiment plus pur? Ben moi c'est la musique que j'aime là. C'est même que j'aime la musique, c'est comme plus new school. Mais la musique que j'aime faire pour l'instant, pour les deux dernières années aussi que je travaillais ce CD-là, c'était plus ça. Puis c'est plus musical, il y a beaucoup d'instruments sur l'album, donc c'est comme c'est moins, c'est dur de mélanger les deux. C'est toi qui joues tout ou? Non, la guitare c'est mon père, la basse aussi, des fois c'est Koma Karma. Yep. Je suis allé chercher aussi pour les arrangements musicaux justement, comme Koma Karma puis Rough Sound. C'est vraiment un album basé sur les beats. Justement, c'est ça, qu'est-ce qui s'en vient de plus important? Ça va chevaucher là, ta carrière rapper ou ta carrière producteur? Ben, c'est sûr que ces temps-ci, je m'épanouis plus quand que je fais des beats puis quand que j'enregistre. Moi, ce que je retiens, c'est que genre, t'as des sujets deep, mais qui en ressort un gros message positif. Puis c'est, t'sais, autant que t'as du gros storytelling, mais qui tu sais, même peu importe les embûches, on s'en sort. C'est ça que j'ai l'impression d'avoir entendu un peu de ton album. Ouais. Puis ceux qui veulent se faire la meilleure des idées, moi, je te conseille d'aller sur iTunes. Tu peux tout écouter une minute là, de chaque track au moins. Là. Mais non, ouais, c'est un album assez introspectif qui est axé sur les textes, puis les instrumentales, comme je disais tantôt. Puis non, je suis pas là pour rapper que je suis le meilleur. Puis, j'aime mieux rapper quelque chose, là, puis rapper de faire la fête, puis des messages trop obscènes, je vais laisser ça à d'autres qui font super bien. C'est quoi ta tune préférée sur l'album? C'est sur l'album, la tune préférée, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Ça change. Ouais, c'est ça, ça change beaucoup, mais je dirais que Illusion de paradis pour l'ensemble. Tout ce qui entoure cette chanson-là, que c'est une pièce assez unique, qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui ont fait ça en ce moment, puis qui peuvent s'accompagner juste avec un instrument tout le long d'une chanson. Fait que c'est pour celle-là que je suis plus fier, je veux dire. Alright. Les bootleggers, projet d'une chanson ou ça, il va avoir un petit futur? C'est futur, là, mais c'est sûr que les gars, chacun dans leur vie personnelle, ont des projets, là. Moi, c'est plus musical, mais il y en a, c'est vraiment comme. C'est d'autres trucs, là. Les gars travaillent beaucoup dans leur domaine, puis toute une petite vie de famille aussi, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui se marient. Là. Donc c'est ça là, mais on a quand même une couple de morceaux de près. Là. Je pense pas que c'est... ça fait quand même longtemps, je te dirais, qu'on a de quoi pour un petit maxi de 6 ou 8 chansons là, qu'on va sortir. Question box? Yeah. Stevenson, buté, Pascal? Stevenson, ben là, Pascal et Stevenson. Je sais que t'es un fan de Pascal. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je respecte aussi Stevenson. Pas
pas buté là, non. J'irais plus si je mets un X sur quelqu'un, je l'aurais mis sur Lucian, mais non. Je pense que Stevenson Pascal va s'en venir. Là. Ouais. On va voir c'est qui le vrai boss à Montréal, là. Je vais pas me prononcer là. Quand ça va arriver, Pascal va sûrement être 50 cents de toute façon. Espérons-le pas, parce qu'on est bien avec Pascal et toute la bonne boxe au Québec. Là. Femme, ta beauté, le démon. T'es une belle femme, ta beauté, le démon. Puis, je sais que c'est vite de dire ça. T'es-tu déjà sur un autre projet? T'es-tu. Ouais. T'es amené dans la famille? Ou... Ben là, je suis en train de. C'est sûr que je travaille tout le temps pour les beats des gars. C'est quand je parle, mettons, là, on vient de finir l'album de Bobby One sur lequel. J'ai beaucoup travaillé, je travaille sur l'album de Rhymes aussi pas mal, Indelébile, son album solo. Confu aussi, que je mixe son album, puis qu'on travaille là-dessus. Je travaille sur le mix de l'album de SPS. Puis nous, on prépare un album musique de jungle, qui va être moi, Rhymes, puis Confu. Puis sinon, c'est ça, je travaille vraiment sur les beats d'un million de projets.